4 journées, je pense pas qu'on puisse parler tout de suite de virage. Après, c'est surtout nous ce qu'on a envie de faire après cette série négative. Voilà, stopper ça, faire un gros match, parce qu'il faudra faire un gros match pour gagner demain face à cette équipe qui est encore invaincue. Et voilà, avancer et redéclencher une série positive. Maintenant, il faut être conscient que c'est une très belle équipe, qui est certainement la plus en forme du moment, peut-être même encore plus que Lens, parce qu'on voit qu'offensivement ils sont vraiment vraiment armés. Après nous on se concentre quand même beaucoup sur nous. Voilà, je pense qu'on doit essayer de se concentrer sur nous, ce qu'on doit faire. Après, quand tu joues une équipe contre Metz qui est première qui a gagné ses 4 matchs, tu sais que ça va être un match difficile et qu'il va falloir faire un très gros match. On a très envie de gagner après ces deux revers, parce que je pense que sur le plan comptable, sur notre première partie, sur nos 4 premiers matchs, c'est plus ces deux revers à domicile qui nous pénalisent un petit peu. Et voilà, l'envie aussi de stopper cette série, cette spirale. Et c'est vrai qu'une victoire nous ferait du bien et permettrait de, voilà, comme j'ai dit, de déclencher une autre série et une autre dynamique. Je me sens plutôt bien en jambes, donc c'est déjà une bonne chose. Après sur la qualité du jeu, eh ben, il y a encore pas mal de choses à améliorer. Et j'espère que demain, on va pouvoir faire un grand match.